Et bienvenue dans le 8e épisode de Challenge Théâtre. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien avec ce grand soleil, tout va mieux, en plus on peut ressortir. Aujourd'hui on va parler des différentes formes de langage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais selon la personne à qui on parle, ils peuvent avoir des manières de s'exprimer et de parler différemment. Par exemple, la dernière fois je me suis entretenue avec une femme qui avait un langage soutenu. Que je te raconte. La dernière fois, j'étais avec Charles-Henri. Je lui disais, je vous serais gré de vous hâter car nous risquons d'arriver, de ne pas arriver à temps. Prenez garde aux molosses sur la route. Nous avons rendez-vous avec des relations à 20h pour dîner au restaurant. Je suis exténuée. Tu m'exaspères. Alors, veuillez observer ce véhicule. Nous résidions dans cette superbe demeure. Son ami était fort aimable. Mais sachez que nous prenions congé après le souper. Ah, nous avions apprécié ses mets succulents. Oh, comment elle est chelou. Ah, oh, elle est relou, hein. Il y a encore un stick mou qui m'a piqué. Non, mais vas-y. Laisse béton, meuf. Laisse béton! C'est à moi qu'elle parle comme ça? Il y a son queue qui est béton par terre. Elle me dit même pas si mère, quoi. Allez, laisse béton. Allez, laisse béton. Elle est trop zarbi. La dernière fois, j'étais tranquille, j'étais peinard, j'étais accoudé au comptoir. J'avais laissé le cabot dans la licoque. J'avais garé ma caisse. V'là t'y pas que je vois une bécasse et un frangin se prendre la tête. Oh, je me suis dit, ces deux-là, ils vont se fumer. Hein. C'est sûr, il va y avoir de la baston. J'ai fait fi ça à décamper et je suis retournée voir le cabot. Hein. Voilà, donc vous avez pu découvrir trois styles de langage particuliers. Donc, le premier personnage vous a présenté un langage soutenu. Le deuxième personnage a un langage en verlan, c'est quand on parle à l'envers. Et le troisième personnage, c'était un langage argotique. Donc le défi, si vous l'acceptez, ça serait de choisir un des langages que vous avez envie. Même si vous avez envie de me parler avec un accent, pourquoi pas, ou avec des expressions particulières. Vous me faites une phrase et vous me l'envoyez soit en vidéo, si vous ne pouvez pas, et bien vous pouvez m'envoyer un audio aussi. Voilà, je vous remercie, surtout prenez bien soin de vous. Il fait beau, donc profitons du soleil et surtout, à bientôt! Ma choupinette, viens faire un petit bibi à ta mamounette. Ah bah, vous êtes là vous? Oui bah ça c'était le langage Cécile, ça va? Chut!